Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyansweban. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez sans doute ce de quoi nous allons parler. Nous allons parler de la musique et de la magouille du diable derrière la musique. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Regardez dans l'écran, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Regardez ça. Wouh! C'est extraordinaire. On a l'impression que c'est un rocker qui est là. Et ce gars qui est ici, il est tout simplement en train de jouer de la guitare. Il joue à la guitare. Bam, 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 bam. Et il y a du feu qui sort juste au bout de sa guitare. Et en même temps, on peut voir que tous ceux qui sont autour, c'est une armée. C'est une armée qui va en guerre. Et lui, il doit jouer du vrai son. En fait, le son des démons, pour que la haine, la rage qui se trouve dans cette armée-là puisse se lever de plus en plus. Parce que cette musique qui sera jouée, c'est une musique qui vient directement du monde de l'enfer. C'est pourquoi vous voyez le feu ici. Ça, ce n'est que la première partie. Et ça, c'est un témoignage puissant que nous allons écouter. Cette personne qui va parler ici, il va nous expliquer ce qui se passe autour de la musique qui vient du domaine du diable. Mes frères et sœurs, ça parlera de tâches, tout un tas de problèmes reliés au monde des ténèbres. Pour éviter les histoires, nous allons prier. Et demandez au Seigneur Jésus-Christ de nous assister tout au long de ce témoignage puissant. Si vous êtes d'accord avec moi, joignez-vous à nous, fermons tous les yeux, disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, que ta grâce et ta puissante soient sur nous. Que toi-même tu envoies ta main qui délivre pour nous délivrer de tout ce que nos ennemis sont en train de faire contre nous. Merci Seigneur de nous protéger. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous garder et de toujours nous libérer et nous ouvrir les yeux afin de nous délivrer de tout ce qui se passe dans notre vie que nous ne savons pas. Il n'y a que toi qui peux le faire. Délivre-nous aujourd'hui. Il n'y a que toi qui peux nous aider à découvrir toutes ces choses. Donne-nous ta connaissance aujourd'hui et ton esprit de discernement. Si ce témoignage vient de toi, montre-nous par A plus B. Que tout est parfait, que tu veux vraiment que nous changions et que nous abandonnons nos mauvaises voies. Nul n'est parfait, pardonne-nous nos péchés, purifie-nous. Donne la force à l'équipe. Bien sûr, on fait ce témoignage, même s'il pleut, nous allons aller jusqu'au bout. Que toi-même tu sois là pour nous guider. Tout doit être ta grâce, ta bénédiction. Amen. Applaudissements, mes frères et sœurs. Applaudissements, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Comme vous le voyez, nous sommes un témoignage puissant. Et demain, samedi, à 20h GMT, nous serons en live témoignage puissant. Vous allez écouter les témoignages puissants qui seront en cours. En même temps, écrivez vos questions sur un papier. Vous allez écrire vos questions sur un papier. Et à la fin de ce témoignage, à la fin de ce live, ces témoignages puissants, nous allons vous laisser une place pour nous poser toutes vos questions. Et nous, avec vous, tous les abonnés, nous essaierons d'y répondre. Comme nous sommes déjà ici dans ce témoignage, et c'est le témoignage 604, nous allons l'écouter en long et en large pour découvrir ce que Dieu veut qu'on découvre sur la musique. Ça, ce n'est que le premier témoignage. Si nous sommes arrêtés à ce témoignage, c'est que un autre témoignage va suivre. Ça sera toujours sur la musique. Il y a trois témoignages de trois différentes personnes là, qui vont s'en suivre. Rien que sur la musique pour faire découvrir les choses qui sont cachées. Mes frères et sœurs, ça risque de ne pas vous plaire. Mais soyez forts. Partagez cette vidéo absolument. Et n'oubliez pas que vous devez vous abonner d'abord. Abonnez-vous, activez la cloche. Et cliquez tout sur j'aime. En plus, c'est extraordinaire. Allons-y, écoutons le témoignage maintenant. Parce que ça va officiellement commencer. Let's go. Une fois que ce modérateur charnel me permit de chanter dans cette église, je suis passé devant la congrégation et je me suis mis à chanter une chanson pour la gloire de Satan le diable. Cependant, la congrégation entendait autre chose avec leurs oreilles physiques. Pourtant, je chantais une chanson blasphématoire pour avec la voix d'une sirène. Wow! Cette personne chantait une chanson blasphématoire Reine avec. des eaux, c'était une belle voix. Nous devons comprendre que beaucoup de nos musiciens nationaux ici au Zaïre sont mariés à des sirènes des eaux. Premier élément, elle nous informe qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont mariés aux sirènes des eaux. C'est comme ça qu'ils chantent avec le voix de sirène des eaux. Et ils chantent avec des voix de sirènes des eaux. C'est hallucinant. Avez-vous entendu ça? Avez-vous entendu ça? Mais ça m'étonne. Dis à ta voisine qui est à côté, ça m'étonne. Physique. Dis à pour ton voisin qui est à côté, ça m'étonne.
Mes frères et sœurs, ces genres de choses sont réelles. C'est pourquoi nous revenons sur ça encore. Écoutez bien. Nous allons faire passer rapidement un élément important. Donc vous avez compris ça. C'est tellement incroyable que vous ne pouvez pas vous imaginer. Écoutez ça. Ici, aux Aïrs sont mariés à des sirènes des eaux. Des gens sont mariés aux sirènes des eaux. Revenons juste un peu encore en arrière. Sirènes des eaux, c'était une belle voix. Nous devons comprendre que beaucoup de nos musiciens nationaux ici aux Aïrs sont mariés à des sirènes des eaux. Wow. C'est comme ça qu'ils chantent avec le voix de sirène des eaux. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont ensorcelés et captivés par leurs chansons. Les musiciens profanes chantent avec les voix de sirènes. Ils ont des charmes magiques qui captivent les auditeurs et leurs fans. Je me souviens quand j'étais charlatan. Ces musiciens venaient régulièrement chez moi pour le succès et la notoriété. Par ailleurs, il y a deux démons qui s'occupent de la musique profane dans le monde de Pandémonium. Il y a le démon Tourombouctou et le démon Sanekaï. Mais le démon que Satan a délégué pour les danses immorales aux Aïrs s'appelle Mengu Mengu. Ce démon est responsable de tout le danse peu éthique et obscène dans le pays que nous voyons à la télévision. Bien aimé, normalement dans une église vivante, je n'aurais pas été permis de me tenir devant les enfants de Dieu. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Je suis venu dans cette église avec la mission de tuer le pasteur et 14 membres de l'église. Après avoir chanté et ensorcelé la congrégation avec ma voix de sirène, le pasteur se leva et se mit à me complimenter. Il dit à l'église, « Cet homme blanc chante avec une voix angélique. Il est sans doute de Dieu. » La congrégation était excitée, et ils m'ont applaudi. Plus tard, le pasteur a commencé à prêcher l'évangile. Pendant que le pasteur prêchait son message, j'ai ouvert mes yeux spirituels. Et je me suis mis à observer et scanner la congrégation. C'est alors que j'ai remarqué la présence de deux sorcières dans l'assistance parmi les diacres. Tout de suite, j'ai établi la communication télépathique avec eux. Je leur ai fait savoir que j'ai été envoyé par le dragon rouge, l'empereur du cimetière central, avec la mission de tuer le pasteur. Puis je les ai montré le sceau de Lucifer. Ces diacres qui étaient des sorcières stationnées dans cette église m'ont répondu qu'ils avaient déjà capturé l'esprit du pasteur il y a longtemps, et ils ont déjà fixé la date de son exécution, plus précisément à la période de Noël. Bien aimé, il y a des gens qui vivent parmi nous, mais ils sont déjà capturés dans le monde astral pour la destruction, et ils attendent leur exécution. Quand j'ai appris que ces sorcières avaient déjà capturé l'âme de ce pasteur, je leur ai commandé de me remettre le pentacle sur lequel ils ont capturé l'âme du pasteur. À vrai dire, je les ai obligés de me remettre ce pentacle sur lequel l'âme de ce pasteur était capturée, car j'étais supérieur par rapport à ces sorciers. En effet, j'étais dans la sorcellerie nationale et internationale. J'étais dans la magie noire, blanche et rouge. Une fois que ces diacres qui étaient des sorciers m'ont remis le pentacle dans lequel l'âme de ce pasteur était capturée, la vie et l'âme de ce prédicateur étaient entre mes mains. Bien aimé, en ce temps de la fin, il y a des sorciers délégués, commissionnés et envoyés dans beaucoup des églises avec de missions spécifiques, pour la raison que la sorcellerie est l'une des stratégies du temps de la fin, et donc... Mais, vous avez entendu ça? Donc, elle a utilisé la sorcellerie, c'est-à-dire en fait la musique, pour pouvoir avoir les gens. Donc, elle est entrée dans l'église là. C'est-à-dire cette personne est entrée dans l'église là avec la voix d'une sirène pour chanter de sorte à séduire le monde entier. Et ça a marché. Mes frères et sœurs, ça existe. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Bon, écoutons maintenant un deuxième témoignage. Le témoignage d'une autre personne. Toujours sur la musique et comment les démons utilisent la musique contre les humains. Écoutez ça. Quand tu vas dans le cimetière qui s'appelle Lubumbashi ou Likasi, na cimetière à Kintambo ya Kinshasa. Et le cimetière de Kintambo à Kin. Utona matombo moi ile fashi banajika ka bazungu. Il y a des tombeaux où on enterre les blancs. Utona peko étoile moi ya kisha banajika po Daniel. Il y a toujours une étoile et puis on écrit Daniel. Ile fashi bakujika ke po muntu ile tombeau iku fashi yote manake ni ba sataniste bale banafaka voyage astral ya kwenda mu monde mu strong bale kaka ile signe panika mu lango ya bo kwenda mu ile monde. Alors partout on trouve cette de tels tombeaux. C'est pas qu'on avait mis quelqu'un là-bas, ce sont les satanistes qui ont mis un signe là-bas afin de faire leur voyage parce que c'est là qu'ils se trouvaient leur porte. Vous savez que ce monde, les musiciens chantent même pour ce monde là-bas. Vous voyez, on nous dit que des musiciens chantent pour quoi?
pour ce monde des ténèbres. Les musiciens chantent pour le monde des ténèbres. Et comment ils font? Écoutons bien. On a déjà musicien moi banamuita kasema nyoka longo azaiko. Il y a un musicien qui se nomme Nyoka Longo de Zaiko. Il avait une chanson qui avait fait vraiment qui avait des fureurs à un moment donné. Et quand il chantait, arrivé au moment où il s'était vraiment très bon, il commençait à danser. Vous vous rappelez de cette chanson? Vous savez pourquoi il chantait comme ça? Ule Daniel aranza kutayaka, manake ni prince de ténèbres et enjo anakalaka na clé ya kwenda ku monde Armstrong. Alors c'est un prince de ténèbres, c'est lui qui a la clé qui permet d'aller au monde Armstrong. Si metiere kintambo zela e futumuka kumbuka. Vous rappelez cette chanson? Les gens ne savent pas ce qu'il voulait dire là-bas. Maintenant, il fungule ça, c'est les parenthèses. Je vais maintenant expliquer cette parenthèse. En 1983, ils étaient à 4. Ils sont allés en Angola pour voir un marabout. Barenda kutafuta sikse ule marabu alitoshaka mbuji anabapachia mbuji mwanamke anasema mwende pa biro yenu mchimule njimu mumujike huyu mbuji mais après 3 mois mutaanza kubambaka mwanamke mnamwegorger damu mungu nenda kumwangiaka pale. Alors on leur avait donné une chèvre qui devait enterrer devant leur bureau et la condition qu'on leur avait donnée, chaque 3 mois après ils devaient chercher une femme qui devait égorger et déverser son sang sur le lieu où ils avaient enterré la chèvre. Bale mwanamke baranza kubambaka ni ba fanatique babu. Et les femmes qu'ils attrapaient, ce sont leurs fanatiques. Vous avez entendu ça? Quand un musicien termine de chanter, il y a des femmes qui les suivaient, ce sont des femmes qu'ils étaient en train d'attraper. Moulise Bamumia Kang, on a balayé Bananishindia, Mouile Matan 83-84, il y a une génération Zaiko, Bonjo Baribambaka Zaire à l'époque. Demandez aux gens de ma génération, ils vous diront qu'à cette époque, c'était la génération Zaiko. C'est eux qui avaient la musique à l'époque. Maintenant, ule marabu aribambia kanasema, kama mufanye le masacrifice, mutanza kufwa mwe bote moya moya. Si vous ne faites pas ces sacrifices là-bas, vous allez commencer à mourir un après l'autre. 88, banafanya séparation. En 1988, ils se sont séparés. Aba bengine banenda ku évoluer ku Bruxelles, banafanya Zaiko Familia Day. Zaiko Familia Day à Bruxelles, c'est là qu'ils sont allés évoluer. Là où ils sont partis, ils faisaient plus ces sacrifices là-bas. Ils avaient oublié. Le premier qui était mort, c'était Yalengos. C'est Dindo Yongo qui est mort derrière. Aina sida pana ni ule mujimu wabo le baribebaka njoo anaanza kubaua alibambia sasa kama mfanye tena masacrifice mtaanza kufa. Njoo alitoka kama Zaiko anaenda kufanya yake na yasema ngwaka. Alors c'était pas les sida, c'était les démons là-bas qui leur avaient dit si vous faites plus de sacrifices, vous allez commencer à mourir un après l'autre. Comme ça qu'il avait quitté les Aiko pour faire son groupe. Ule yalengo sari kondaka sasa wa sida, baranza kumuchekelea yasema oyo amelite akulia bona nete. Basema ashikunu edamu bona ne atakuria. Ni yeba ranza kuimbiaka. Sasa utona bantu mumabari yoko na oyo amelite. Bobe kono nasema kama ni mpombe kama ni bintu kani. Yalengos avait tellement maigri, alors on chantait à son propos en disant que c'est lui qui ne boit pas, ne va pas voir la bonne année. Alors il était en train de parler du sang que l'autre ne buvait pas, au moins il était à l'étranger. Cimetière kintambo zela e ni ebaranza kusemaka cimetière kintambo imupokele yego nakuya c'est pour akukawiyake mashiku kiloko anakufwa. Et c'est de lui qu'on parlait, on parlait par rapport à ce cimetière que attends-le parce qu'il doit revenir et quelques temps après il était mort. Sasa nawe kama unakuwa partisan wa ile mimbo inakuwa sasa kuna participer ku ile adoration juni adoration beko nafanya ya diable na publicité à monde ya ténèbres. Alors quand toi aussi tu écoutes beaucoup cette musique, tu deviens un adorateur du diable parce qu'ils sont en train de le publier et de l'adorer. Vous avez vu ça? Quand toi tu écoutes beaucoup cette musique là, tu deviens automatiquement un adorateur du diable. Tout simplement parce que ils sont en train de le publier et de l'adorer. Vous avez entendu ça? Est-ce que tu veux devenir un adorateur du diable? Alors sors de ce genre de musique là. Fais attention, même regardez à l'écran ça. Regardez ça, regardez vous-même. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Makuta il faut qu'il t'appelle là.
La femme ou le mari avec lequel vous, fait, vous allez faire ce pacte. La Bible est très claire là-dessus parce qu'elle dit l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme pour faire une seule chair. Une seule chair. Ah. Sasa mwe muna depase Mungu, mwe munaenda kuchanga damu. Or mudamu munegalaka esprit, munakuwa esprit moya. Et vous avez même dépassé la dimension de Dieu. Au lieu seulement de vous unir avec la chair, vous êtes même allé à la dimension de l'esprit. Vous devenez un seul esprit. Kama bwana bana mukonga kumotoka. Si on essaie seulement de cogner le mari par un véhicule, un mois après toi aussi on va te cogner par un autre véhicule. Kama bwana na beba nkamba netunjika. Si le mari se pendait, même si tu es dans un autre mariage, tu ne t'es pas encore confessé. Toi aussi, tu vas te pendre un jour. Vous avez vu ça? Et ces esprits vont te suivre. Parce que vous avez mélangé votre sang. Et l'homme que tu avais est mort. Les soucis vont tellement te toucher. Au moment où tu vas écouter ces problèmes, l'esprit va te pousser à te tuer. Au moment où tu es chez toi, tu as d'autres enfants. Église, diable na eko na organisation moya ya yulu. Vous savez, l'église, le diable aussi s'organise comme il se doit. Tamionesha alama ya ule demon anashimamiaka. Il est ma pacte d'amour. Je vais vous montrer les signes du démon qui est au-dessus des pactes d'amour. Vous voyez les cartes que... Le jeu des cartes. Il y a les J. Bastop. Il y a les Astop. Comment est-ce qu'on appelle celui-là? Qui France. On l'appelle Q France. J'ai entendu quelqu'un dire Astop. Est-ce que c'est ça maintenant Astop? Amen. Amen. Et cette femme, on l'appelle Marie France. Les musiciens qui sont dans la musique profane citent beaucoup cette femme. Elle est dans l'air. C'est elle qui est en train de parrainer les mariages qui se font sur le pacte d'amour. Et les musiciens chantent pour cette femme qui est un démon en plus. Mais personne ne sait qui elle est. Aujourd'hui, vous avez vos réponses. Si vous savez de qui il s'agit, restez dans la partie commentaire et expliquez-nous très bien qui est cette femme en réalité. Je suis un musicien qui avait chanté. Vous avez déjà entendu cette chanson? Et qu'on a fait publicité à pacte d'amour. Marie-France Maciala, pacte d'amour, Lili Kouyek. Il est moins beaucoup moins, on a beaucoup publicité à démons. Dans cette chanson, du début à la fin, on est en train de publier ces démons. Vous voyez comment est-ce que les gens adhèrent chez les diables. Elle vient à peine de prier à l'église. On les a même déjà présentés à l'église, mais quand ils entendent cette chanson, ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour son fiancé. Vous avez vu comment le diable utilise notre chanson préférée pour nous conduire dans son monde? Faites attention. Ça ne doit pas te plaire. Vous savez, les musiciens sont nos frères, mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès. Donc il faut des pactes avec le diable pour envoûter les gens, juste pour avoir du succès. C'est ce qui fait que on doit parler de ça pour sauver des âmes. Faites attention, mes frères et sœurs. Partagez cette vidéo là. Parce que ça, c'est pas de la blague, c'est pas de la friction. Pourquoi vous l'avez? Si vous n'avez pas encore laissé votre j'aime, cliquez sur j'aime. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais te donner les signes de tous les symboles cabalistiques qu'il y a là-bas. Démon supérieur, peko magie rouge, peko magie noire, peko magie blanche, na magie jaune yaba japonais. Yote quoi. Vous savez ça, c'est un démon supérieur. Magie rouge yaba asiatique, donc ba indien, ba chinois, njo benye magie rouge. La magie rouge appartient aux indiens, donc aux asiatiques. Mais siège ya magie rouge ikuni mu Chine, mu Hong Kong. Le siège de la magie rouge se trouve en Chine, à Hong Kong. Et celui qui avait commencé ça, on l'appelle Lao Setu, c'est un démon. Lao Setu. Lao Setu.
Kama unauza vix chinois, unaremarkaka peko kakintu kani. Si vous achetez les vix chinois, qu'est-ce que vous remarquez là-dessus? Bon, ben il y a un petit temple là-dessus. Bon, il est temple, il est galaka ni a muku ma chambre 36. Et dans ce temple là-bas, il y a 36 chambres. Donc il est temple qui est composé na 36 chambres. Mou il est 36e chambre, njo mon galaka lao c'est tout. Alors le temple là-bas est constitué de 36 chambres et c'est dans la 36e chambre qu'il y a ces demandes là-bas. Il est 36e chambre kama unaingia mu unatoka manake huko mtoto wa shetani ba mingi bana kufuaka. Et si tu entres dans cette chambre et tu y sors, c'est-à-dire que tu es un fils du Satan, parce que beaucoup de gens y entrent et meurent. Jo muranza kuingia ka ule Mao Zedong. C'est là qu'entre Mao Zedong. Ule karateka chinois kufuaka le baranzo itaka Bruce Lee alikuwa anaingia kama munikalaka ni dragon. Jo ule Lao Zedong ni mtoto wa diable. Parce que Lao Zedong c'est le fils du diable, il y a un dragon. Bruce Lee entre aussi là-bas. Wow. Il y a un musicien congolais qu'on appelle roi de la forêt. C'est là qu'il est allé soutirer le pouvoir qu'il a. Le jour où il va venir à Kolozi, même 100 dollars, je vais y aller. Tu es déjà saisi par tous ces pouvoirs là-bas. Nous allons arriver à ce chapitre, mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand nous allons encore évoluer. C'est là qu'il y a la puissance de la magie rouge. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'il était allé là-bas, comment est-ce qu'il est entré. Alors après cela, il m'a donné le Coran, la Bible qu'ils appellent le Saint Coran. Ce qu'on appelle verset biblique, ils appellent ça surat coranique. Le livre là-bas a été inventé dans l'an 630 après Jésus. Alors c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes, avec les églises écuméniques, pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. Banatosha Coran. C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran. En 715, Banatosha Abermal. En 715, ils ont inventé Abermal. Il est baritosha en 715. En 715. Mon 921 après Jésus-Christ. Dans 921 après Jésus-Christ. Lucifer est moi en personne. Lucifer lui-même en personne. Arishukaka mu Chine. Il est descendu en Chine. Anavuala kori ya bomuntu anenda kupatia mwanamke moya mimba. Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille. Ule mwanamke alifanyaka na mimba 3 ans. Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans. Déjà gouvernement na mubeba bananza kumwangalia ni kintu kaniki anataka kuzala 3 ans et puis bako na mutwanga madawa njua ku provoquer ma douleur et enfantement ashizali. Alors le gouvernement s'était intéressé à la femme pour voir qu'est-ce qu'elle allait nous donner, puisque 3 ans c'est un peu trop. On était en train de donner des produits qui pouvaient la permettre d'avoir cet enfant, mais ça ne tenait toujours pas. Bana mu bloquer ça sa hôpital. C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital. Bananza kumfuata fuata. On était en train de la surveiller. Kumwisho anazala mutoto, mais ule mutoto alizalikuwa kiko na meno, eko na riba, eko na matashi tatu mukicho ya rouge, ya jaune na ya noir. Alors cet enfant était avec les dents directement et avec 3 taches sur la tête. Il y avait une tache rouge, noire et blanche. Kisheko na sema. Et elle parlait même l'enfant là-bas. Mais bébé, gouvernement angara tutekala na kintu kia hivi. Bana monesha mama yake asema Alors le gouvernement a dit à la maman là-bas, bon, nous ne pouvons pas garder une telle chose. Tout ce que tu vas demander, nous allons te donner. Alors elle avait accepté, elle avait dit, laissez-moi, je vais tuer moi-même cet enfant. Elle était arrivée à un endroit à Hong Kong, c'est là qu'elle avait jeté cet enfant dans une rivière. Il est ma démon errant, il est ya yulu, il est na shuka, il a mu récupéré, banenda kumweka mu montagne moya, bananza kumu nourrir bo benyebe na muletea chakula, majiba, na vila nanza kukomea. Alors il y avait les démons qui errent dans l'air, sont allés récupérer l'enfant pour le figer dans une montagne, et c'est eux-mêmes qui nourrissaient l'enfant jusqu'à ce qu'il grandissait. Jolo banaitaka lao c'est tout. C'est celui-là qu'on appelle Lao Setu. Jo fondateur wa shintoïsme, njo alianzaka magie rouge. C'est lui le fondateur de la magie rouge. Amen. Amen. Kama unashika kipande kiloko mtu asema anaenda kushina au musicien au fulani,
À un moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui dit, moi je vais en Chine, une autorité qui dit, moi je vais en Chine. À un moment donné, ils vont suivre cet homme là-bas. Alors suis-moi alors. On a regardé ma film, il y a une mubaya. On a fait un film, moi, ben intitulé 36e chambre de Shaolin. On a fait le film, Alors, toi qui aimes les films, ce n'est pas mauvais. Si tu as déjà suivi les films intitulés 36e chambre du Shaolin, suis bien ces films et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher. Film à Piri. Le deuxième film. Il est intitulé Les 7 secrets du Kung Fu. Les 7 secrets du Kung Fu. Et celui qui avait les 7 secrets, c'était Bruce Lee. Jo karateka wa kwanza rimonako le Laos et tout. C'est pourquoi leo hakuna munte kona kombana karate vile yari kombanaka. C'est le premier karatéka qui avait vu cette histoire là-bas. C'est comme ça que mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut se battre comme lui dans le karaté. Ule ni mutoto wa shetani ye mwenyewe. Ça c'est le fils du diable lui-même. Kushini kuku sekti yake mwa abantu bana kataka mabala beko na vola mangomo ya rouge. Utabona mikono banikalaka paka hivi. En Chine, il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent, ils marchent toujours comme ça. Ile njo kanisa yake. C'est ça son église. Njo kulitokea ka burua ba huyu musicien congolais banitaka roi de la forêt. C'est là que ce musicien congolais avait trouvé sa royauté. C'est là-bas qu'il était parti. Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête. Il était à Bercy dans un concert. Il avait mis une croix sur dans sa tête. Ma instruction ya ule lao c'est toujours quoi na mu communiquer bile biote manake ile musalaba iko na représenter quatre démons supérieurs bale beko ku quatre coins ya monde. Je le signe tunaona kama église nyingine ile banafanya kaivi. Manake beko na shusha wa nord wa sud wa est na wa ouest manake ni ba démons supérieurs. C'est ce démon là-bas qui était en train de lui communiquer ce qu'il avait fait la croix là-bas. Qu'on représentait les quatre démons, même d'autres églises utilisent cette croix, c'est pour invoquer ces quatre démons là-bas. C'est pourquoi moi le concert à Ripataka bantu mingi sana. C'est comme ça qu'il avait eu beaucoup de gens dans ce concert là-bas. Et à partir d'ailleurs les croix riwekaka manaka ile ma démon supérieur quoi nayo pale. C'est-à-dire c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans le concert. Bantu kutokujua et comme les gens les savaient pas. Turona ba frère bengine bari wekaka ile misalaba nabo banaweka bananza kutembea mu balabala. Donc muntu anenda kujadere ye mwenyewe kwa On a vu des gens qui ne savaient pas, ils ont mis ces croix là-bas sur leur tête. C'est adhéré chez les diables sans pour autant le savoir. Wow. Que le Seigneur soit loué. Conclusion, En conclusion, tu ne dois pas appeler musulman frère parce qu'il n'est pas ton frère. On ne prie pas avec eux un même Dieu. Créateur. Nous prions les vrais dieux qui créent. Bon, le Allah ou le Banataka ni Dieu, mais aïna Dieu créateur. Allah qui cite aussi un Dieu, mais lui ne crée pas. Vous avez entendu ça? Le démon de mercredi, c'est la déesse d'Astarté. Et il y a des églises où on adore cette déesse. Suivez-moi très bien. Si tu as les photos de cette déesse, tu dois aller les brûler. Banamuita Marie de Marigouay. On l'appelle Marie de Marigouay. Ou le Marie de Marigouay, aïna Marie, mère de Jésus. Et cette Marie là-bas, ce n'est pas elle qui était la mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, a rekufuaka vile muntu otana kufuaka. Elle était morte comme tout le monde doit mourir. Mubibla kuna fashi banasema Marie, mère de Jésus, a ripandaka kwenda kumbingu. Dans la Bible, nulle part on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté. Utakuta ma église ingine banakomemoraka anniversaire yake ya kupanda kumbingu le 15 août. Alors tu vas arriver dans d'autres églises, on est en train de commémorer le jour où il était monté le 15 août. Il est le 15 août, Njoshiku Arishukaka anapatana na église moya barome banafanya alliance. Alors le 15 août, c'est le jour où il était descendu et il s'est rencontré avec une église romaine et ils ont fait une alliance. Ni déesse d'Astarté, anegalaka yulu ni démon, anegalaka yulu mu. C'est comme espace. C'est une déesse d'Astarté, elle est dans les espaces. C'est pourquoi le 15 août, banafanaka fête yake. C'est comme ça que le 15 août, il y a une fête en sa faveur. Écoutez comment est-ce qu'on l'appelle. Ba français njo banamuita Marie de Marigouay. Les Français l'appellent Marie de Marigouay. Ba Romain bo banamuita Maria Valencia. Les Romains l'appellent Maria Valencia. Anekalaka na bébé moya, ou le bébé njina ke ni Zeus, démon destructeur. Alors, elle a un bébé et le bébé s'appelle Zeus, c'est le démon destructeur. Je me demande ma photo, il est à Marie, à chaque bébé. Où le bébé a Jésus à pas, ni Zeus, démon à destruction. Vous voyez, il y a des photos, il y a Marie qui a un bébé. Le bébé là-bas, ce n'est pas Jésus, c'est Zeus, le démon de la destruction. Au Rwanda, va il est génocide, diable à 94.
Au Rwanda, avant le génocide de 94, décembre 93, bari monaka mu Kigali le Maria na shuka na bébé wake. C'est pourquoi damu rivuya ka vile mu. En décembre 94, ils ont vu cette femme descendre avec son bébé. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas. Ye kama na shuka. Elle quand elle descend dans un pays, il faudrait qu'il y ait le sang qui coule. Kale ka bébé ni ka Zeus ni ka démon ka destruction. Et le bébé là-bas, c'est Zeus, c'est un démon de la destruction. Kana provoka kama tempête moi ya nguvu paka ya kuharibisha. Ça provoque des tempêtes qui ne font que des détruire. D'autres églises, on leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus. On a vu les bantu bashakupoteaka. Voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdition. C'est une femme qui n'a même pas d'os. Elle a seulement la chair. Elle est trop belle dans le monde, il n'y a pas une femme comme elle. Baromé banamuita Maria Valencia. Et le Romain l'appelle Maria Valencia. Musicien moi congolais chaque mwimbiaka mwimbo. Il y a un musicien qui a déjà chanté pour elle. Soki ba moniye nanzela, mshakushikaka le mwimbo. Etamboli nayo Maria Valencia. Sasa bengine banauzaka ile makasete, bobe kono nasa ni Marie Mère de Jésus. Muntu anatokea mukaniso mwa anakombana na mademo anachoka, anafika kwake anaweka ile mwimbo, elongi nayo Maria Valencia. Yeko naona sema ni Marie Mère de Jésus. Ora ina ule. Alors vous voyez d'autres personnes, ils quittent l'église, il a beaucoup combattu avec les diables. En quittant l'église, il prend la cassette, il met en croyant que c'est la mère de Jésus et la personne commence à chanter. Kanisa shikia, bale banduku yetu ba musiciens avec lesquels sérieux. Écoute église, les amis, nos frères musiciens ils sont pas sérieux. Ni ba evangeliste ba nguvu beko na peleka bantu, bena tosha bantu kwa Mungu, bena bapeleka kwa shetani. Ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les amener dans le monde de Dieu. Na pourquoi rimbake le mwimu? Vous savez pourquoi il avait chanté ça? Pour les musiciens succès qui aishaki. Et ce musicien là-bas, il a toujours son succès. Ana faka ma sacrifice ya tuba bébé kwa ule Zeus beko na rajeunir sauti yake. Alors c'est comme ça qu'il fait des sacrifices à ce bébé là-bas Zeus, c'est comme ça que sa voix rajeunit toujours. C'est pourquoi il murmuriait kana mwimbia ile mwimbo. C'est comme ça que pour le remercier, il avait chanté cette chanson. Utashika fashimo anaria sema mi bali baza kotuna yo mingi balobi ozali moya ya tongo basusu balobi moya pokwa ni mtu moya. Quand tu regardes cette déesse, tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces. Et tu verras dans d'autres photos, elle a déjà piétiné sur la terre. Les Chinois l'appellent Xing Mu. Et les gens chantent pour elle. L'Arabie Saoudite, banamuita Aïcha. En Arabie Saoudite, on l'appelle Aïcha. Musicien moi algérien n'a rien mouimbia comme mouimbo à kiarabe. Il y a un musicien algérien qui avait aussi chanté une chanson en arabe. Aïcha, Aïcha, je t'aime. Mourishika ka pouille mouimbo. Vous avez écouté cette chanson, non? Même ici chez nous en Afrique, attends qu'on coûte Afrique. Même ici en Afrique. Bah élève. Les élèves. Quand il m'a 6e, quand il 5e primaire. En 6e ou 5e primaire. Je suis comme un poème, comme une femme noire, femme africaine, ou toi ma mère, ou ton apéro dessin, qui est qu'on a bébé, t'es dans mon Congo. Alors, vous allez voir qu'il y a son dessin là, avec un bébé sur le dos, c'est toujours elle-même. Femme africaine. Maintenant, qu'au Brésil. Au Brésil. Bah, brésilien, bah, namouita Macarena. On l'appelle Macarena. Alléluia, gloria to God, Macarena. Macarena. Donc, qui l'avant tout? Tout le monde a sa façon de l'appeler. Donc, comme on a mouraté, comme on adorait Mouissans, on est dans Mouissans. On a les mimbo. Bantu mané penda kasana ya Macarena. Si tu manques de l'adorer dans Maria Valencia, tu vas dans l'adorer dans Macarena. Musique profane, aïna bien. Wow. C'est comme ça que la musique profane n'est pas bonne. Parce qu'on amène les gens à adorer les démons. Jubantu banonaka sema muko gloire ya Mungu mais munekalaka ni gloire ya diable. Et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu mais c'est la gloire du diable qui est là-bas. Wewe mtoto wa Mungu uza mimbo ya Mungu iko wewe ya mingi sana. Toi un enfant de Dieu tu dois acheter la musique chrétienne. Kama unauza ile CD ya Macarena kama unaangalia panekalaka mwanamke eko na sous-vêtement bonishake kichwa. Manake kuku ba rapper ba mo bari kwa mu California mu boîte beko na rapper banona jeune fille wa 5 ans anakuwa kubatupia ile disque. Baritafuta ko le fi abakumupataka aina muntu alikompoza ile mwimbo ilitoka ni kutroni ya diable emo anileta kudunia. Alors donc shetani emo analeta mwimbo bantu banacheza ile mwimbo. Quand vous regardez sur ce disque là-bas, il y a une femme qui n'a pas la tête mais qui est en sous-vêtement.
Vous allez vous rendre compte qu'à Californie, il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert. Ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés. Et ils ont cherché la fille là-bas, ils n'ont pas trouvé. Donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde. Ça vient du monde de ténèbres directement. La musique là vient directement du monde des ténèbres. Et les gens écoutent ça encore. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est pourquoi nous sommes là. Ah, mes frères et sœurs, toutes ces révélations sont à prendre en compte. Partagez au maximum cette vidéo, mes frères et sœurs, c'est écœurant. Et cette déesse, elle est de longtemps, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est là que le diable l'avait placé dans les espaces. À l'époque du prophète Jérémie, alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer cette déesse là-bas. Et Dieu avait envoyé la famine en Israël. Et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer cette déesse. Et Jérémie était en train de prier pour ces gens là-bas. Vous savez, on donne l'Eucharistie, le corps du Christ, amen. Ça ne commence pas aujourd'hui, c'est là que ça avait commencé. Jérémie, chapitre 7. Lisons Jérémie chapitre 7. On a commencé avec un grand retard. Ne soyons pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine. Amen. Amen. Jérémie chapitre 7 verset 16. Utashikia vile Mungu eko na monesha Jérémie. Juu Jérémie alikuwa ni prophète. Anaanza kuomba juu ya wale bantu. Paka sasa hivi leo tuko na baba yetu hapa Delphin. Tunaria sana mkanisa, oh makaji biendeke bintu kan yana twanga magoti anaanza intercession. Mungu anamkataza hapana kubaombea bantu. Shikia mambo ile beko nafanya. Unayua shi bantu atupende kuyua bubaya, me tunapendeka paka Mungu etusaidie. Mais bila huko nafanya binye binakuletea le mambo, unekaria hapo. Alors là, c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël. Alors Dieu lui dit, écoute ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme dans cette église ici. Somme. Alors nous lisons la Bible au nom de Jésus. 16. La Bible nous dit ceci. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Apana ku intercéder njuu ya aba bantu aba. Pale ni Mungu yemo yeko namukataza Jérémie. Apana kuomba mutayua barifanyaka bintu kani bile Mungu alishirikaka. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Alors suivez le problème des acolytes. Écoutez d'où c'était venu. 17. Les pères, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? De Jérusalem. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Ba prêtre njoba na kongaka ile moto ba toto njoba na letaka makala beko na weka mula bikwanza ke leo bilianzaka zamani. Sasa muku pare ya ba mama na bo balifanyaka nini? Continue. Nous continuons. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer de gâteaux à la reine du ciel. Mamia pale. Ile pâte munashikaka sema communion. Et la pâte qu'on appelle communion. La pâte qu'on prépare avec l'Eucharistie. C'était des gâteaux à l'époque. Tout ce qu'ils font là-bas, ça ils ne montrent pas ça à Dieu, mais c'est à la présence qui se trouve dans l'espace. C'est comme ça que je vais demander aux mamans quand elles vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se trouvent de l'autre côté, parce que ces gens là-bas sont déjà perdus parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Alors à Lubumbashi, je vais lui amener un disque et lui il va regarder, après il va vous expliquer. Dans leur saint siège,
Les sœurs, ce qu'elles font dans le couvent, tu ne seras pas content. Si tu as une soeur ou un frère au couvent, tu dois beaucoup prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer. Nous sommes à 44, Jérémie 16, 44. Ça, c'est une réponse. Disons maintenant Jérémie 16, 44. 44, 16. Ah, Jérémie 44, 16. 16. La Bible nous dit ceci. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Asema, bilo ne tonesha mujina ya wamilele, tunakatala. Hapa hapana taa hai, hapana mambo wa kufuchama. Bantu wana mukatala Mungu kumacho kweupe. Asema, bilo ne tonesha mujina ya wamilele, tunakatala. Et là, les gens n'ont même pas honte. Claire, là, devant le prophète, tu lui dis, ce que tu nous dis de la part de Dieu, nous refusons ça. Mais, continue. Nous voulons agir. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel. Le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui. C'est offrir de l'encens à la reine du ciel. La fumée qu'ils aspergent, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour cette reine là-bas. Il y a ile shimoko ni mtu njoo atashikia harufu demo akimbiake ubani kama unapenda leo uende kachome one vile batakuya kama unaechoma ni bale ba mu espace njoo batashuka mu nyumba maana yake una baonore hiyo hii Biblia inasema. Alors il y a ceux là qui sont déjà perdus papa, dans le papa mbele bien rudiria le fashi la Bible nous dit ceci. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Faire quoi? Offrir de l'encens à la reine du ciel. Kutoa ubani kwa malkia ya mbingu. Shuka tena. Et lui faire de libation. Na kumutolea sadaka ya kinyweu. Ile bana presentaka yulu ile kumukaku. Ile kikombe bana wekaka yulu muku divai. Abi kwanjake. Birianzaka zamani sana. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères. Nos rois et nos chefs dans les villes de rois et de nos chefs et de rois et de, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Amen. Amen. Utaona mama iglizi ingine porte kura iko nakuwa na msalaba mwingine iko namfuata na sansori unapuliza shimoko ile shimoko demo akimbia ile shimoko hata mloja akimbia ke. Alors vous verrez dans d'autres églises il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur et puis na maya baraka l'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie ile njoo tamona ni yemu nyesa bababu njoo kuna ile maya iko natwanga hivi iko namwangia bantu sasa. Et là tu verras c'est le père lui-même avec cette eau en train d'asperger sur ile maya banetoshaka wapi. Et d'où vient cette eau? Mu France mu Paris muku mutoni moya banitaka sema Coulourde dule Marie de Marigoy anashukaka kila mwaka ku ile mutoni. Coulourde c'est une rivière qui se trouve en France, c'est là que cette reine descend souvent. Njoo kule banatoshaka ile maya. C'est là qu'ils prennent cette eau. Bateka bula monde mujima. Et ils vont donner ça dans tout le monde dans tout le monde. Bantu beko na beba soit disant maya baraka. Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie. Bana mwingia kayo na baloji ne bafaka ni. Et cette eau on est aspergée même sur les sorciers. Qu'est-ce que ça leur fait? Mtona mwingine atabeba ile maya munyumba na mwanga mwanga sema njuni lale ko bien. Et tu verras une autre personne prend cette eau asperge dans la maison pour bien dormir. Démon sorcier na ya atakuwa ni mumpepo ile maya itamutushe je. Alors, démon, c'est un esprit. Même les sorciers, quand ils viennent, ils viendront dans l'esprit. Comment veux-tu que cette eau puisse toucher les sorciers? Il ne faut même jamais prier avec les chapelets. Alors, là où il y a la statuette de Marie, il y a le pouvoir des Zeus. Alors, essaie seulement la nuit. Quand tu veux voir ce que je te dis,
Et tu verras d'autres personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions. Alors ce sont des le 15 août 715, c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette reine et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer. Ça c'est mon Éphèse. Dans Éphèse, Diane. On l'appelait Diane. Ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants. Najua mu Bible muku mutoto wa Jacob. Mutoto wa Jacob mwa banamuita Dan. Ana Diane. Je sais que dans la Bible, il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan. Pas Diane. Bwana sifiwe. Le Seigneur soit loué. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Les gens adorent des démons sans le savoir. Mais ce n'est pas tout. Écoutez encore ça. Et le samedi, il travaille avec un démon, le démon de la musique. Son nom, c'est Sankai. Là, c'est la troisième personne qui va maintenant nous expliquer exactement ce qui se passe dans la musique. Et c'est aussi un ex-sataniste. Ça fait troisième ex-sataniste qui confirme. Le démon de la musique. Son nom, c'est Sankai. Jina yake ni Sanka. Sankai. Sankai. Vous connaissez le musicien Pepe Kale? Unajua le mwimbaji Pepe Kale? Il est déjà décédé. Chacha kufwa. Quand vous suivez ces anciens albums là. Wakati unafuata le maganda yake ya zamani. Il parlait de Sankai. Rianza kusemaka Sankai. 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 Veut dire simplement envoûtement. Kusema kujenduliwa tu. Ici. Hapa. Je vais vous parler sur quelque chose. Ici, il y a des enfants de Dieu. Hapa pego batoto wa Mungu. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise, la musique congolaise mondaine. Je n'écoute pas. Moi, j'aime le zouk. Le slow. J'aime le reggae. Napendaka reggae. J'aime la musique rock. Napendaka rock. Il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison, qui ont des DVD, des histoires. Musique, Zouk. Slow. Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? On a déjà c'est ma Céline Dion, on a quoi? Padre Moja ou Lucifer? Céline Dion, prêtresse de Lucifer. Padre Monamuki ou Lucifer? Madonna. Shakira. Britney Spears. Amen. La liste est longue, hein? Daftari kumulefu. La liste. Daftari. Mais il y a ici des chrétiens. Ah, pas kuko pa Christu. Des sœurs et des frères. Madada la bandou. Qui ont dans leur maison ces histoires. Manyumba ya bobi ko mobile. Mais c'est la gloire de Satan. Satan. Il est utukufu ya Shetani. Shetani. Vous connaissez l'album Kibwisampimpa? On a joué le Ganda Kibwisampimpa. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Hein? Kibwisampimpa. Kibwisampimpa. À laquelle le. Efrakata. Na Efrakata. Là, on vous dit, Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là consistent. Ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allahu Akbar. Quand on dit ça, Dieu est grand. Ce n'est pas les dieux créateurs. C'est un autre. Celui qui a chanté Efrakata. Ou la rimba Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mise ce jour-là, mais c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Ni Akram. Akram. Ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. John Gina, cet homme-là qui a chanté Efrakata, V12, Affaire d'État. Cet homme-là. C'est ça son vrai nom. John Gina, un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à laquelle le attends la rimba à laquelle le Kibwisampimpa. Amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous
parlerai sur ça. Abonnez-vous, mes frères, et activez la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos, nous en parlerons. Ah, mais je vous donnerai même les titres des albums. Quand il partit, attends, ma titre, il y a ma mime Bwengine. Ultimatum, loi, ultimatum, droit de veto. Loi, droit de veto. Tout ça. Il est ma bim. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. L'inspiration n'a toi quoi, Lucifer au moyen. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Attends, Lucifer lui-même. Céline Dion, c'est Johnny Pen de Tena. Lucifer. Pour mon mariage, on avait. La chanson là qu'on avait mis ce jour-là était tirée de l'album Magie. Le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse ce jour-là. Le jour de mon mariage, je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et deux enfants. Et je vous dis la vérité. Vous voulez que je puisse cacher? Non. Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Bon, je vous promets que je vous donnerai d'autres. Ceux qui restent, je donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui du travail, c'est Akiel. Le démon de la pauvreté, c'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que si on est pauvre, on ne va pas traîner, on ne va pas faire beaucoup de temps, on va encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier si on est pauvre. C'est pour cela que vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et la pauvreté, on peut la combattre seulement quand on sait offrir à Dieu. Quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu, c'est le seul moyen pour combattre la pauvreté. Alors je termine avec ce que je vous ai dit, la mort. Je vous ai dit au début. Il est lycée. Vous avez dit que Sankai Music, c'était lui le démon de samedi. Dans le secte de Maïkari, il est beaucoup élevé parce qu'il travaille avec lui. Il est mouvement mononaka ya samedi, bantu kama natoka samedi na luria paka lendi, nekalaka ni mvutuma inatokaka kwa ule démon Sankai. Il y a un mouvement qui se fait le samedi, les gens sont agités, quelqu'un peut quitter la maison le samedi pour revenir le lundi. C'est un mouvement qui est provoqué par ces démons là-bas. C'est comme ça que vous allez voir même les chrétiens, pour les musiciens profanes aiment faire leurs concerts seulement les samedis. C'est le jour où le diable avait donné à ses démons le pouvoir de régner sur toute la terre. À l'époque de Zaïre, c'est Pepe Kale qui était le représentant de Maïkari dans notre pays. Même les périodes à Congo. Même à l'époque où c'est devenu Congo. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il était mort? Maïkari abatoa kebantu. Chez les Maïkari, on ne donne pas des sacrifices humains. Tu vas détruire une partie de ton corps. Kama unauza leo hata madiski yake ya zamani kuna ngara mu makonsere yake mingi tona kama iko naimba samu aranza kwa chaka anamwachia papi tex anarudia kumukongo. Alors, kama narudia kumukongo lelo fombo aranza kumupompaka mkulu yake ya droite ilikuwa kishakoza alikuwa na kilonda moya munene sana. Alors c'est comme ça que pendant les concerts, quand on regarde dans les disques, à un moment donné, il laissait la place à papi tex, lui reculer. C'est le fombo qui était en train de le ravitailler parce que l'une de ses jambes était déjà pourrie. Il y avait une mauvaise odeur. C'est là qu'il y avait son succès. Pour entrer dans son orchestre, il fallait d'abord adhérer dans le monde. Personne n'a renversé Pepe Kale dans notre pays. Maïkari, c'est vraiment une histoire compliquée. Et tout le monde, les Luambo que vous voyez, ils étaient dans ce secte là-bas. Amen. Amen. Bio banafanyaka ni miaka kama kwa kufanya 80 ans batakukuria mwata 30 banakuachia we 50. Na ile 50 utawina utafanya bio tele 30 ni hapo batakwambia sasa tutakuwa.
Batasema hii 30 na shi utetutumikia. Alors c'est quoi qu'ils font? Si tu dois faire 80 ans sur la terre, ils vont par exemple prendre 30 ans. Ils vont pas te dire que nous allons te tuer. Ils vont te dire tu vas aussi travailler pour nous pendant 30 ans. Mais pendant les 50 ans, tu vas régner comme c'est pas permis. C'est pourquoi kwa mini inegalaka ni neema ya Mungu. Vous savez, être converti ou croire cela, ce n'est que la grâce de Dieu. Pepe kale barimoneshaka wendo lake bibi yako laka batoto kafanye biote mu 10 jours tunakurekiperer. À Pepe kale on avait dit ceci: va dire au revoir à ta femme, à tes enfants, prépare tout ce que tu peux faire, mais dans 10 jours nous viendrons te récupérer. Batumishi ngapi mu Kinshasa bariku yamo. Il y avait combien de serviteurs dans la ville de Kinshasa? Sari pashaka kwenda kubaona na peleka mabintu bana muombea. Il pouvait aller consulter ces gens-là et on pouvait prier pour lui. Il avait un cœur dur. Qui puisse me voir, moi, Pepe Kale. Il était entré dans les studios. C'est comme ça qu'il avait la chanson Trahison. Tu ne dois pas avoir pitié. Il était en train de pleurer par rapport à la souffrance que lui-même avait vue. Trahison, Wapilibala, Sangoloba. Asema wakati prêtre aranza kutombea juu ya mariage. Anasema mwe wote unakuwa kintu kimoya. Mais mimi nakuwa kona siku ya kufa amenizia nafanya sanduku ya mtu mmoja. Aranza kushika vitu aranza kuimbaga. Alors il était en train de dire ceci. Au moment où le prêtre est en train de bénir le mariage, il disait: à partir d'aujourd'hui vous devenez une seule chair. Mais le jour de la mort, Jésus est en train de voir un menuisier qui est en train de fabriquer un seul cercueil. Trahison wa pilibala sangoloba we mumpe ile mariage ulisemaka iko wapi ulini trahir manake nini aina ule mumpe ule anataka be mulumba ule ni innocent mule mu maikarimu nikalaka ba prêtre kila prêtre kuna njina yake na role yake akwa na jadresser kwa ule ana ule prêtre wa katolika wana ni ba prêtre babu ilikuwa ni trahison ya nini ya vile mashiku na mubakia kiloko. Alors quand il était en train de parler des prêtres, il ne parlait pas des prêtres catholiques. Dans leur monde mystique là-bas, il y a aussi des prêtres. Il était en train de dire ça par rapport à ces prêtres là-bas. Et il a vu les temps qui lui restaient et ce qu'on lui avait pris. C'est comme ça qu'il a parlé de la trahison. Les gens avec qui j'ai gardé les secrets m'ont trahi aujourd'hui. Je me suis retrouvé seul. J'étais en train de prendre la bière. Le docteur m'a dit qu'avec la bière tu auras la maladie. Avec la cigarette c'est la même chose. Je me suis retrouvé seul comme le soleil. Dans cette chanson, il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir. Il va bien suivre la musique et tu comprendras. La terre que nous sommes en train de piétiner, c'est elle qui va nous enterrer. Et si vous suivez le début de cette chanson, vous allez comprendre que la chanson commence très bien en vous disant que l'homme qui est venu sur la terre a toujours un jour il doit mourir. Où est-ce qu'il est allé? Il était mort, c'était dans la douche. Et c'est Madilou qui avait pris sa place. Et il était devenu le représentant de Maïkari. Toujours la même mort. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait comme chanson? Il était en train de dire au revoir. On lui est d'aller te confesser chez les hommes de Dieu. L'orgueil de dire qu'on puisse me voir, moi, Madilou, qui es-tu? Et il est mort. C'est comme ça qu'ils meurent, ces gens là-bas. Amen. Amen. Voilà, on a intitulé l'album Yake Tika Mwana. Au moment où il a donné le nom de Tika Mwana à son album, c'est la chanson qui avait beaucoup de succès dans toutes les chansons qu'il avait. La danse qu'il y avait de Chisompa, Chisompa. Cette danse, ce n'est pas lui qui l'avait inventée. Il y a Lofombo. Il y a Juna Bumbaf. C'est eux qui soutenaient la casserole de la sorcellerie de cet orchestre. Amen. Amen.
Donc dans les orchestres, là, dans les groupes de musique, là, il y a sorcellerie. C'est sur la sorcellerie qu'ils travaillent pour voûter les gens. Maintenant, ça peut se retenir contre eux. Ça, c'est chaud, hein. Plein de concerts. Katikati ya concert anakata musique canaria que personne ne bouge pale ça c'est na point invocation kambe kuna sema sakai bantu njobe kone chika manake ule esprit sankai atengia mule atamvute bantu na après concert paka kulale kwa ta kichwa kya mtu moyo. Alors à un moment donné pendant les concerts il arrêtait tous les instruments étaient arrêtés et puis il dit que personne ne bouge. Après à un moment donné il disait sakai, il demandait au public de répondre et pendant ce temps ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre va envoûter tout le monde et à la fin il devait y avoir un mort ou plusieurs. Amen église. Amen. Mena tutenda kwa wiba naitaka mopao mokonzi. Nous allons maintenant toucher mopao mokonzi. Munajua bale bana muyoa Koffi Olomide zamani. Les gens qui connaissent Koffi Olomide depuis longtemps, les gens qui ont mon âge et ceux-là qui me dépassent, il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui, il n'était pas beau. Les gens se moquaient de lui. Il a utilisé toutes les stratégies, mais il n'y avait pas eu de guérison. En raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène. Il avait un album qui s'intitulait Zéro Faute. Avant toucher l'album, John faisait alliance avec les mamies, avec les sirènes, en amoubeb, en amouéka, comment fleurir mon yombak. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison. Et qu'on a monté à l'oulenge, qu'on a monnaouisha, il est mabutoyote, namouisha, n'a qu'on a tenu à mesure. Alors c'est la sirène qui était en train de laver Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. Wow. En intitulé l'album, mingine mononantikatre magie. Non, en 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas des choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réel, Magie. Lorian Aristote, ce sont ses enfants. Junior, ce n'est pas son enfant. Junior, ni première fille wa ule sirène wake barizala kanai. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour Juna, sa fille. L'autre album, c'était Efrakata. Titre ya mwimbo moya hivi ya Ekachaka. Jo paka ule sirene wake. Ekachaka. C'est toujours le nom de la sirene. Banamuke banafurahiwaka. C'est pourquoi banamuke banapendaka Koffi. Banaonaka sasa vile bona tapa. C'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Koffi parce qu'il est en train de faire des éloges aux femmes. Il ne fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. Celui qui aime Koffi, automatiquement, il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi je dis. Je vais te donner des preuves. Koffi Olomide, c'est lui qui a amené l'église de nécromancie dans notre pays. C'est-à-dire tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injurié les hommes de Dieu. C'est lui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Vous savez les choses qui sont en train de planifier. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Le premier musicien qu'il est en train d'envisager, Mike Kalambay. Il est en train de voir Mike Kalambay en disant qu'il sera mon musicien. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Kalambay. Il était en train de lui donner des éloges par rapport à Bonganga. En lui disant que si tu viens chez Quartier Latin, tu vas encore évoluer davantage. Il est en train de viser la sœur Lor Mbongo. En tout cas, je vais la déshabiller.
Peut-être toi tu as cru à cause de la chanson de l'homme. Et tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Wow, vous avez vu ça? Mes frères et sœurs, ne manquez pas la prochaine vidéo, ce sera la suite. Restez connectés, c'est, ça m'étonne. Abonnez-vous même, abonnez-vous, activez la croix, partagez cette vidéo aussi et soyez prêts. Hein? N'oubliez pas votre j'aime aussi. Mais c'est pas encore fini.